Et l'Odyssée du Pixel, comme tous les mercredis, mais l'Odyssée du Pixel avec Richard Blin au téléphone, pas en studio, exceptionnellement. Comment ça va, Richard ? Bah, je t'avoue, moyen, Delphine. Ouais. Tu me manques. J'aurais aimé être avec toi, tu me manques, mais là, je suis au fond de mon lit, je suis cloué et je suis pas bien. Ouais, bah, merci d'autant plus d'accepter donc de faire cette chronique par téléphone. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Dragon Ball. Oui, si je te dis Akira, ça te dit quelque chose ? Mais oui, ça dit quelque Alors, chose à beaucoup de monde. D'accord, si je te dis Akira Toriyama, ça te dit moins. Hein. Ouais, non, il va falloir plus de pistes. Mm-hmm. C'est le manga de Dragon Ball, plus particulièrement appelé Dragon Ball Z. C'est la seconde partie, en fin de compte, de l'adaptation de l'animé. Ouais. Ça fait l'objet de nombreuses adaptations en jeux vidéo. Ça, tout le monde ne le sait pas, parce qu'au début, c'était pas gagné. Il s'agit majoritairement des jeux de combat mettant en scène différents combattants qui apparaissaient au cours de l'histoire. Alors bon, bien sûr, toi, t'aimes pas trop les trucs violents et tout, mais tu sais que s'ils mangeaient pas assez et qu'ils récupéraient pas de nourriture, derrière, Dragon Ball, dans le jeu Dragon Ball, eh ben, ils pouvaient pas combattre. Hein, parce que c'était un Shoot-Ten. Alors, Shoot-Ten, tu vas me dire, mais c'est quoi encore ce nom barbare? Ben, le Shoot-Ten permet aux joueurs de prendre le rôle de Son Goku et se déplacer sur Kintohon afin de collecter tous les Dragon Ball. Tu le savais, ça ? Bah non, je savais pas. Donc en fait, c'est une chasse aux Pokémon, mais avant l'heure. C'est Dragon Ball Z, on se souvient du dessin animé. Mais là, voilà, c'est un petit mix Pokémon dans le jeu vidéo. Oui, et pour tirer, tu sais, sa fameuse frappe, et en fin de compte, pour tuer ses ennemis ou détruire des objets face à lui, eh ben, il lui fallait de la nourriture. Et s'il n'avait pas de nourriture ou assez mangé, notre pauvre Son Goku, eh ben, il était faible et il ne pouvait pas du tout combattre. Alors la console que je te parle en ce moment, qui est super magnifique, c'est à retrouver sur Kidul Console, la chaîne YouTube, hein, on va mettre le visuel, c'est magnifique, elle date de 1984, mais surtout c'était un jeu très agréable, et Bandai, qui n'avait pas eu la production à l'époque, parce qu'a priori ils n'y croyaient pas trop, Bandai, la grande maison mère, reprendra la production des jeux, de jeux vidéo bien sûr, et les jeux tout autour, à partir d'une société qui s'appellera Famicom et NES. Là, la NES, ça te parle maintenant. Mmh. Mais alors aujourd'hui, Richard, ce que je comprends bien, c'est que finalement, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats, puisqu'on parlait de nourriture avec Son Goku. Finalement, les jeux vidéo qui sont vintage, ils plaisent aux ados, aux minots d'aujourd'hui. Bah bien sûr, parce qu'en fin de compte, c'est la source. Alors quand tu demandes à un jeune comme Tom d'aller chercher un mot dans le dictionnaire, il préfère aller tout de suite chercher dans Google. Même pas par écrit, à la voix, à l'oral. Alors, moi, un vieux de la vieille comme moi qui aime bien le papier, c'est toujours compliqué. Mais quand tu leur parles des vieux jeux vidéo, ils veulent savoir la source, par contre, là. Toi, tu vois le rapport de force. Quand ça leur plaît, ils veulent aller à l'origine, ils veulent remonter à la source. Et là, il faut dire aussi, les designs, à l'époque, pour certains, ils étaient magnifiques. Pas plus jolis qu'aujourd'hui, mais en tous les cas, plus édulcorés et beaucoup plus fun. Donc en fait c'est vraiment le jeu vidéo que tu conseillerais à des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent tiens voilà je sais pas trop quoi offrir à mon petit-fils, à mon neveu, ça peut être pas mal et il y a de quoi et on va pouvoir discuter puisqu'en plus Dragon Ball Z, tiens j'ai des souvenirs. Mais en plus toi ce jeu et ce dessin animé, alors ce dessin animé s'est achevé depuis 96 mais les jeux vidéo continuent à apparaître sur toutes les consoles même aujourd'hui. Alors, imaginez plus de 100 jeux vidéo sur Dragon Ball. Et ça existe, plus de 100 jeux, t'imagines, il y a du choix. Ouais. Alors, le jeu que je te parle, moi, là, c'est du vintage. Donc, bien sûr, c'est plus en boutique, c'est plus en shop. Mais tu peux le trouver, par exemple, le 4e dimanche de chaque mois, à la bourse Colette Market, Bruxelles, à Tour et Taxi. C'est cette grande bourse où il y a du jeu vidéo, du jouet et tous les objets. On en a déjà parlé dans l'Odyssée du Pixel. Et là, tu auras peut-être la chance, au petit bonheur, hein, c'est le cas de le dire, de dénicher cette cartouche. Cette belle cartouche avec ce design magnifique. Très bien. Eh ben merci pour ce conseil, Richard. Une autre actualité peut-être à signaler ou on garde ça pour la semaine prochaine ? Non, tout de suite maintenant. Eh oui. Merci Delphine. Un grand merci Delphine. On est en plein Japanning, hein, en plein mode Japon. Donc à partir de fin février début mars, je n'ai plus les dates en tête, mais on a à Tour et Taxi, on a l'expo qui va nous emmener, nous propulser pour le SL, pour la grande Made in Asia qui aura lieu donc fin février, début mars. Et en ce moment, à Tour et Taxi, au Pixel Museum, il y a la belle expo. Nous avons une superbe expo Made in Japan avec tous les jeux et jouets que peut représenter le Japon. Un échantillon, bien sûr, parce que ce serait impossible.
même si l'expo est sur une salle de 100 mètres carrés, c'est impossible de tout rassembler d'un coup. C'est impossible, oui, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Voilà, bon ben merci beaucoup Richard. Un grand merci Delphine, ben, moi je vais me coucher. Ouais. Je ne veux pas penser à toi qui travaille. Très bien, merci beaucoup Richard et remets-toi bien. Et puis bon, on se dit à la semaine prochaine. Hein. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Et quand c'est pas le Covid, hein. Tout va bien. Très bien.